bon. On nous a mis des nouveaux véhicules. Dans le taxi. J'ai reçu un petit message du Fonda. Et d'après ce que j'ai vu, ils sont stylés. Hein. Par contre, pourquoi j'ai pas accès à... Tu vas me donner ma bagnole? Parce qu'il pleut, frère. Il pleut, là. Il y a un autre garage là-haut. Je suis dans la bonne direction? Pas du tout. Tu connais? On importe le style. Donc il y a Clarisse qui a mis quelque chose. Elle lui dit. Attention, je traverse. Faites pas les cons. J'ai le truc qui m'éclate les oreilles, enfin les yeux, pardon. Parce qu'en fait, sur la cam, il y a une lumière. Le truc, c'est que la lumière, je peux la régler. Mais dans tous les cas, elle m'arrache les yeux. Hey my friend. Putain mais... On va relancer. Alors, est-ce que ils sont au courant. Ça se trouve, ça vient de moi. Hein. Ouais, ça venait de moi.
LED, ça va pas être pour maintenant, du coup c'est 24 heures, il me semble. Bon, pour la gêne occasionnée, je crois qu'on dit, on a le Fonda qui nous a mis de l'argent dans la société, qui nous a mis 20 000 balles pour couvrir en gros les frais où je n'ai pas pu utiliser le taxi pendant 2 jours. Ça ne remarche plus non plus. On va aller voir les véhicules qui nous a mis. Si j'ai bien vu sur la photo, il y a un mode, on dirait une genre de Ben Mustang, mais une vieille, deux vieilles bagnoles stylées et une genre d'Alfa Romeo, j'ai l'impression que c'est. Vous avez acheté un véhicule? C'est pas celui-là. Stylé, hein. Propre. Oh. Ok, ça lui a rendu. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Celui-là, il est stylé. Oh là là là. Allo Burger Shot, passez un petit bonjour à Clarisse avec le taxi. Et du coup, vu que je suis en service, bah je prends le véhicule qui a l'air de bombarder. Très bien fait.
La chasse. Ça va chiffrer, je pense. La chasse au centre-ville. Sachant qu'il est déjà à la chasse. Et qu'il y a 7 000 km. Enfin, 7 km, on va dire. On va lui dire. Ce qu'on lui dirait pas, 900 dollars. 900 ou 800. Je sais pas comment on fait pour répondre en fait, c'est ça le truc. Fait chier, je voulais passer au BK, enfin au BG là, vite fait là. On ira plus tard. Oh là là, elle a l'air de bombarder la caisse. Alors, il a pas beaucoup de moyens, on va dire. On va lui demander 600.
très stylé. Hein. Très stylé. Par contre, on a de la route à faire. Vraiment stylé hein, la bagnole là. Petite alpha là, franchement, putain. Nous, notre taxi du ghetto, nous. C'est-à-dire, on arrive. Le mec, je lui demande, il travaille dans quoi, si c'est pas un LSPD, je lui propose de bombarde. Décale-toi! Décale-toi! C'est le mec qui... Wesh! Putain, comme elle bombarde la caisse. Puis ça l'accroche bien.
Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Va monter, Ah, hein? attendez. Oui, attendez, je fais juste ma petite cigarette. Hop là, voilà. Alors, vous avez Très besoin bien. d'aller où? Oh, il faudrait que j'aille au centre-ville. Déjà, dans un premier temps, j'ai pas vraiment de destination précise, mais bon, comme j'ai pas de véhicule pour retourner en ville, vous doutez bien que c'est compliqué. Vous avez pas un coin où vous préférez aller? Oh, bah écoutez, où est-ce que je pourrais aller alors là? Est-ce que vous connaissez des petits coins sympas en ville où je pourrais voir du monde éventuellement? Bah là, il y a le Burger Shot qui est ouvert. Moi, je comptais y aller juste après si vous voulez. Bah, très bien, Burger Shot, comme ça je m'achète à manger. Très bien. Pas pour moi. Ok. Oh, vous êtes bien équipé chez le taxi niveau voiture. Belle voiture. Ouais, on a reçu ça par le gouvernement. Très intéressant, sympa. Ça fait longtemps que vous avez repris le taxi? Oh, il y a à peu près une semaine. D'accord. Vous avez un fort accent de l'Est. Ah, vous avez touché dans le mille, monsieur. J'arrive tout droit de la mère patrie. Eh ben, on est deux. Ah. Oh, très bien, vous arrivez de quel coin? Moi, je suis de Kirov. Oh, très bien, moi directement Moscou. Ah, la capitale. Ah. Ah oui, vous savez, Bon, la eux, ils France. m'emmerdent. Ah. Oui, on va dire qu'ils sont très lents ici, hein? Ouais, Beaucoup de ici, c'est des papys, circulation. j'ai l'impression, des fois. Bon, le papier quand même, jeune homme. C'est pas parce que je suis un papy que je vais aller doucement. Il m'énerve aussi, hein. Vous avez quel âge? Moi, 63 ans. Ah, bah, vous les faites pas, ça va. Ah, je sais, c'est le froid, ça concerne. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il avance avec son camion devant, il est fait chier quand même, hein. Davai, Voilà. pizziets, davai! Ah. Oui, très bien, voiture vite, j'aime beaucoup. Vous aimez bien la J'aime pas les vitesse ou voitures pas? qui vont doucement. Ah oui, j'aime bien Ça vitesse, vous moi. dérange pas la vitesse du coup? Non, 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 au contraire. Si je vous paye, c'est pour aller vite. Ok, Comme vas-y, dirait parti. l'autre. C'est Va parti du comme coup. tu peux. Ah, c'est pas moi qui irai vous dire quelque chose, je suis pas la police. Après qu'on n'ait pas un accident quand même. Non. Voilà, bon, j'espère que le gouvernement il va bientôt me donner des nouvelles parce que c'est un petit peu pour moi aussi là. Chercher un travail. Oh, non, non, j'ai investi dans une reprise d'établissement. Moi, dans les travaux sont terminés. J'attends que tout soit fonctionnel. Mais bon, pour ça, j'attends que le gouvernement me contacte. D'accord. Alors un jour, si vous passez par ici, faites attention, il y a un radar sur le pont. Oui, j'ai cru voir le radar à clocher là, tout à droite, là, juste là, je l'ai vu au C'est passage. ça. Oui. Par contre, je me pose une question par contre. Bon, je vous cache pas que j'ai emprunté la voiture d'un ami et je me suis quand même fait flasher. Je comprends pas comment il peut savoir que c'était moi par contre. Vous devez À mon m'expliquer. avis, votre ami a dû prévenir son assurance que c'était vous qui avez le véhicule. Parce que j'ai reçu un amendement, mais bon, ils ont été rapides, hein. Ah oui, non, c'est limite instantanément, hein. Ici, ils sont déter quand il suffit de piquer de l'oseille. Mais imaginons, je dis bien imaginons, dans un monde où je serais une méchante personne, je vois une voiture et je me fais flasher. Comment ils peuvent savoir que c'est moi? Peut-être reconnaissance faciale. Oh là 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 là. Peut-être. Oh là 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 là. Et bon, c'est pour ça qu'il faut éviter de voler voiture de coup. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous taxi pour éviter Vous les voitures de. avec un masque. Oui. Oh. Dire que je suis quelqu'un d'honnête, citoyen. Je suis pas, on va dire quelqu'un qui aime les ennuis. Ah, vous allez voir ici, tout est différent de la Russie. Ah, après, vous savez, j'ai mon caractère aussi, hein. Je
si un vieil homme avec son expérience de la vie, mais bon, j'aime pas me faire marcher dessus non plus. Vous avez raison. Bon, on a fait 7 affaires, km. Vous savez, il faut savoir aussi les monnaies d'une main de fer. On va lui dire 600, voilà. Donc. Ah ouais. Vous êtes arrivé il y a longtemps en ville? Ouais, on va dire que je suis arrivé il y a quelques temps, mais que j'ai eu quelques petites choses à régler. Je me suis vraiment installé hier. Voilà, j'ai vraiment posé mes valises hier, proprement dit. J'ai pris le temps de respirer un petit peu l'air de cette ville. D'accord, d'accord. C'est une amie à moi qui tient le Burger Shot, vous allez voir, elle est très gentille. Ok, très bien. Si elle est personne gentille, du coup, c'est mieux pour les affaires. Si pas être gentil, après. Elle a la batte facile par contre. Elle a là. Elle a le coup de batte facile. Ouh, wow, vous savez, s'il vient faire des bêtises dans son établissement, je comprends qu'elle va le mettre les énergumènes à coup de pied au cul dehors. Hein. Je ne ferai pas là. On se connaît depuis longtemps. On était avant d'arriver ici, on s'était connus en France. Mm-hmm. Ah, France, très joli pays. Ouais, très bon, très bon baguette là-bas. J'aime beaucoup. Baguette, ouais, très bon. Oui, baguette. Ils font du très bon vin aussi, d'ailleurs. Je dois trouver. Ah, j'aimerais bien trouver une personne de France pour travailler avec moi, vigneron, parce que eux avoir très bonne qualité pour travailler. Ah, c'est pour ça que je suis à la recherche d'une personne compétente. Alors, j'espère qu'elle est encore ouverte. Tu dirais qu'il n'y a pas de lumière dedans, si ? Oui, c'est très bien éclairé à l'intérieur, c'est des vitres teintées. Ah, ok, très bien. Du coup, combien je vous dois pour la course ? Bah, déjà, on va descendre, du coup. Si j'enlève ma ceinture, ça serait mieux. Bon, en principe, je facture au kilomètre. Tous les 1000. Là, vu que vous êtes un homme de la mère patrie, si je calculais, ça devait faire 700 et quelques. On va passer à 500. Très bien, c'est pas si bas. Pas de soucis. Du coup, je vous fais la petite facture. Oui. Bon, je saurais m'en souvenir. Vous savez, si vous avez besoin de quelques petites boissons pour mettre dans vos taxis pour vos clients fidèles, vous n'hésitez pas. Hein. Ouais, ce serait cool. Oui, j'ai déjà fait connaissance avec une personne qui tient un établissement en ville. Et bon, vous savez, hein, le business, c'est aussi du bouche à oreille. Hein. Alors, il me faudrait juste votre chiffre. Mon numéro de pièce d'identité. Ouais. Alors, mon numéro de pièce d'identité. Attendez, c'est le numéro 24. De pièce d'accord. Ça sera plus simple. Ah, j'ai un petit problème avec. Attendez. Bon, après, si vous préférez, je peux vous donner directement l'espèce. Non, c'est bon. Alors, juste, du coup, on a dit 500. Vous avez dû recevoir. Ouais, je vais vérifier ça. Attendez, je crois que ça donne directement ça. Oh, la grosse puce. Pourquoi je vois pas. Papa, sa vie, hein. Ah, elle est speedy, ça fait bien. Hein. Elle est speedy. Ah, d'accord. Oh. C'est bien, vous c'est êtes, bien. Vous êtes officier de la LSPD. Ouais, je suis lieutenant. Je sais pas s'il m'a payé par contre. Ouais, mais j'ai claqué 200 balles dans une tanière SX tout à l'heure. Mais... Combien vous avez acheté votre voiture? Celle-ci? Celle-ci, c'est une emportée celle-là. Ah, c'est le petit blond. Ah, vous l'avez emporté directement de. C'est celui-là, oui. Ouais. En Allemagne. Non, si je ne trouve pas un taxi, on peut avoir une Brabus sérigraphiée taxi. Hein. Pardon? Mais c'est une voiture de fonction que vous avez? Non, ça c'est d'accord, mais vous l'avez payé combien? C'est une voiture rapportée. Oui, mais c'est vous l'avez pas, payé c'est combien pas, hein? C'est pas payé en dollars si vous voulez. Oui, très bien, mais vous avez payé ça combien en dollars? 30 s'il me semble. 30, ah d'accord, ok, très bien. Ok. Mais il me semble que dans les taxis, vous avez accès à la Brabus. Enfin, si vous demandez, vous pouvez avoir une Brabus. Ouais, c'est une voiture personnelle, ouais, j'étais au courant, le gouvernement. On dirait que vous mangez un chewing-gum quand vous parlez, monsieur l'agent. Non.
je sais pas, c'est bizarre. Par contre, je n'ai pas reçu la facture. Mais par contre, attends, oui, alors, j'ai... De quoi je trouve facture? Parce que je suis allé dans les factures. Ah, d'accord. Mais je... Il faut penser très fort à F7. T'as bien d'accord. Ok. Et ensuite, c'est le premier. Ah, je dois... Ah, très bien. Je dois... Très bien. Ouais, moi aussi, quand j'arrive en ville, ça m'a perturbé. Hop là. Oh, j'avais une amende à payer. Ah, je viens de voir ça. Hop là. Bon, bah au passage, tant pis. Allez, hop, on le balaise, c'est pesé. Je sais pas si... C'est bon, vous avez reçu? Bah, ça me met rien, mais vas-y, c'est pas grave. On verra plus tard. Bah, écoutez, ça, moi, j'ai pensé fort à mes factures. Alors, attends, peut-être que... Non, je peux pas regarder ça, du coup... Merde, moi, je crois que c'est le custom qui paye. Facture. Oui, j'ai pu... Si, si. Pour moi, tout est ok. Bon, bah, c'est bon, du coup. Bon, bah, du coup, écoutez, merci. Bah, pas de soucis. Hein. C'est quoi ton prénom? Enfin, votre prénom, pardon. Ah, moi... Bon, pff... Moi, on va dire, je m'en... Appelle-moi Papy. Hein. Papy, ok. Moi, c'est Yuri. Papy. Oui, Papy T. On va dire, je m'appelle Tieg, mais appelle-moi Papy T. Ok. Enchanté, moi, c'est Yuri. Ok, Yuri, enchanté. Des menus, comment? Le bâtard. Courir en droit. Odeur sentir très bon. Grillade sentir très bon aussi. C'est pas comme au pays. Le bon burger. Ah, on va dire qu'on n'a pas la même alimentation. C'est vrai. Le bœuf strong-off. Pas, pas, pas. Très beau. Wow. Je crois qu'en fait c'est. Parce que bon, mais nourrir avec des chips, t'as quoi, ça force, ça fait mal au ventre. Ouais, c'est vrai que c'est, en plus c'est un peu gras, gras. Puis c'est. Bon, on va dire que c'est, les burgers sont pas beaucoup plus diététiques, mais bon. On va dire que ça va mieux nourrir. C'est vrai. Il faudrait que je passe. Je crois que c'est le custom qu'a eu là, la facture. J'ai préparé une tenue pour le. Elle m'a venu là-haut parce que bon, travailler comme ça, ça risque d'être compliqué. Waouh. Vous savez, des fois je suis en costard, je mets ma sacoche et je mets une casquette. Oui, mélange aussi. De style aussi, c'est pas mal. Oui, comme dirait l'autre, là, impose ton style. C'est ça. Bah, j'ai un client, je dois y aller. Oh, oh bah écoutez, en tout cas, merci à vous. Bah, après, attendez, si jamais besoin. Si j'ai besoin de vous joindre, je peux vous joindre directement, peut-être avec un numéro, non? Ouais. Après, moi, ça m'arrange via l'application taxi. J'ai directement votre position. Ah, très bien. Bon, bah après, je peux toujours éventuellement prendre votre numéro. Ouais, y'a pas de soucis. Qu'au contact. Vous savez, qu'on arrive dans une ville, c'est bien d'avoir aussi des contacts. C'est vrai. Allez. Du coup, vous avez votre carte SIM, votre numéro de carte SIM, hop. Peut-être. Avec le petit airdrop dans les contacts, je vous ai envoyé le mien directement. Oui, très bien. Je crois que ça doit être le bon cas. Ok, très bien. Je vous marquerai vos taxis, bon. Parce que sinon. Très bien, écoutez, monsieur Yuri, enchanté de faire votre connaissance. Eh bah, ben, vous aussi. Du coup, vous partez directement ou vous prenez quand même Là, ouais, manger, non, là, je dois y aller, c'est un peu long. Ah bon, bah écoutez, du coup. Bon. À la prochaine fois, bah, du coup, chers amis. À la prochaine. Das Vidania. Das Vidania, tovarich. Bon, Clarisse, je reviens après. Ouais, pas de soucis. Salam. Juste pour la faire chier, je gueule en fait. Elle aime pas quand je gueule. Par contre, je sais pas où il est.
c'est un taxi qui roule en mode ghetto. Après, tu te fais choper par les flics, tant pis. C'est le risque. Bonjour. Hola. Hola. Comment est-ce que ça va, t'en as bien toi? Ça va, nickel. Ah, t'as déjà mis le poids sur la petite carte tactique? Nickel. Et Almano. On va pas se prendre la tête. Oh, habile de la loutre, le taxi. Ah ouais, j'ai pas le temps, moi, des fois. Vous aimez la vitesse ou pas? Oh si si. Ok, nickel. J'aime beaucoup de choses dans la vie. Les femmes, vitesse. Ah, ça qui c'est. L'argent. C'est une nouvelle voiture, ce taxi. Oui, ouais, ouais. C'est le gouvernement qui nous l'a offert. Oh, c'est sympa. Ouais. Et tu fais quoi avec? Tu fais juste du transport? Ouais, c'est là, me sert pour le transport, ouais. D'accord, d'accord. Quoi, mexicain, toi? Si, hermano. Poupée, hein. Si, c'est... C'est un pays qui regorge de diversité, si je puis dire. Et de sicario. Ah si, 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 si. Et du coup, question comme ça par hasard, ça paye bien taxi? Bah là, on a des petites galères de tablettes à l'entreprise. Donc, en ce moment, c'est un peu la crise, tu vois. Et quand je reçois des courses directement comme ça, ça va. D'accord. Et par le plus grand des hasards, tu travailles que dans le taxi ou pas? Ouais, pour l'instant, ouais. Tu fais pas d'extra? Non, même pas. Tu ne cherches pas d'extra? Ça dépend ce que tu parles d'extra. Hein. Bah, tu sais, moi je propose l'argent là où je la trouve. Hein. Genre de la salade? Bah, de la salade, mais pas que, hermano, il y a un peu de tout. Disons que j'ai des services qui touchent à tout. D'accord, c'est intéressant. Parce que moi je cherchais de la salade pendant. La salade c'est bien, mais on fait pas ça toute sa vie, hermano. C'est bien de traîner dedans. Ah, c'est ma maison idolâtre là. Oh, propre. Nickel. Bon. Dis, enfin, bon. Tu veux mon numéro si jamais tu réfléchis à mon offre? Ouais, je veux bien, carrément. Comme ça, je vais te filer le mien en même si. Temps. Tiens, je te l'envoie, hermano. Oh. Voilà. Si, merci. Hop. En tout cas, merci pour la course et puis hésite pas si jamais tu as besoin. Y'a pas de soucis. Allez, ciao ciao, Almano. Allez, salut. Putain, fallait qu'il reste dans le véhicule. Faut que je le rappelle. Dire les cons quoi. Allô? Ouais, excuse-moi, c'est Yuril du taxi. C'est. En fait, t'es parti un peu trop vite pour la facture. Oh merde, je croyais ça prenait directement sur le compte. Ouais, faut juste que en fait
quand t'es assis sur le siège, tu vois, il y a une petite plaque en dessous. Et ça confirme en gros. Ah, d'accord. Faut juste que j'appuie sur mon téléphone. Excuse-moi de te ranger. Non, hein. Oh, pas de soucis, pas de soucis. Alors, hop. Et voilà. C'est tout bon. C'est tout bon, désolé encore. Ah, pas de soucis, t'inquiète. Salut mon pote. Si. Et moi, j'ai trop une voix de bébé en plus, moi, des fois, là, quand je leur parle. En fait, c'est ça, y'a rien. Il fait le mec tout gentil, mais un jour, il pète son câble. Mon pote, crois-moi que je fais tout pour trouver une accord. Tu m'emmerdes, toi. Incroyable. Franchement, je kiffe. Jean ? Mais t'es où là ? Ok. Je crois qu'il parlait à moi. Ça va. Oh, que de la glace. Oh, pas platique, ça va fondre là, ça. Ah. Est-ce que vous avez une petite, petite glacière avec? Parce que ça risque de fondre là, si je prends tout ça. Je peux vous donner des glaçons avec, y a pas de souci. Oh, vous avez pas des petits gâteaux, des trucs comme ça en dessert? Non. Des trucs qui se conservent mieux? Non, ah, j'ai pas ça. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, donnez-moi des petits pots glacés, ça sera très bien. Aïe, aïe, merde, pardon, aïe, mon genou, aïe, mon genou qui a sauté encore, aïe, 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 aïe. Bon, y'a pas de soucis. Excusez-moi, mais... Ah, mais... Ah, putain. Aïe, décidément. Ah, ça fait mal. Je suis en train de me tabasser au calme, wesh. C'est la trousse, ça, des fois, quand ça vous pleure après ça. Vraiment désolé, cher monsieur. Pas de problème, Bratan. Aïe, 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 aïe. Décale-toi à peine, Yuri, s'il te plaît. Merci. Alors, vous me dites en même temps si vous recevez ou pas, parce que j'ai quelques petits soucis en ce moment. J'ai repris pot de glace et frites, oui. Des sodas G, pot de glace G, frites G, burger G, très bien. Je crois que j'ai tout reçu. Vous avez tout reçu? C'est parfait. Oui, boisson, frites, glace et burger, très bien. Alors, hop.
demander votre chiffre porte-bonheur, s'il vous plaît. Le 24. Merci. Voilà, très bien, payé facture, ça y est. Bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Ah, écoutez, merci bien, mon petit dame, c'est sympa. Gardez votre vie. Merci, au plaisir de vous revoir. Très bien. Au revoir, merci, bonne journée. Oh, ça l'a l'air heureux, le jeune homme. J'adore cette musique. Ah, j'adore pas ta musique, c'est pour ça. T'as mis quoi comme musique? C'est la musique. J'attends pas la musique. Gershon. Ah, très bien. Ah, tu donnes des nœuds. Ah ouais. Très bien. On va danser la Karinka bientôt. Ça dit quoi? Bah, et toi, ça dit quoi? Bah, on est là, hein. Bon. On est là. On est là, tranquille. Alors, tu peux mettre un double burger, s'il te plaît? Stop. Un double burger, tu veux, c'est tout? Avec T'as quoi en boisson? Soda. Ouais, mais quoi comme soda? Bah, c'est du soda, écoute toi. Bah, tu fais pas d'effort. Bah, je vais te prendre un soda. Un soda. Avec un double burger. Da. Il parle à Alexis? Non, il sera là sur le soir, Alexis. Alexis, il a ses journées. Tu donnes ses journées, il travaille tous les soirs. D'accord. C'est le blondinet, je crois, de la dernière fois, ça. Parler, l'autre il disait, ouais, c'est le blondinet, je sais pas quoi. Et un soda. Moi j'ai testé la PR sur l'autoroute. Alors, hop, le soda. Ouais. Et le burger. C'est tout? Ouais. Pourquoi j'ai... Ouais, c'est bon, c'est pas si bas. C'est bon? Ouais. Ça passe comme ça? C'est bon, allez, salut. Tu serais mal barré là, je pensais, avec les personnes qu'il y a. C'est vrai, j'avais pas vu. Voilà. Hop. Ça va. Ça va. Ça va, écoute. Hop. Ok, là, pas de soucis. C'est payé. Tu seras là dans la soirée? Bah, ouais. Ouais, ok. Ouais. Bah ouais, j'aurais peut-être besoin de toi. Ça marche. Après, je sais pas. Attends, il est quelle heure là? 16h39. Parce qu'après, faut t'inquiète, que je prenne l'avion vite fait. Ouais. Non, mais t'inquiète, ce sera que vraiment dans la soirée. De toute façon, j'appelle si tu es là. Si t'es là, ça va. Si t'es pas là, c'est pas un souci, tu vois. Ouais, vas-y, pas de souci. En plus, on a reçu un nouveau véhicule là. Oh, cool. Ouais, une Alfa Romeo. Ok. Eh, pète sa mère. Eh, bombarde du tonnerre. Ouais, roule doucement. Toujours. Toujours. Je roule doucement. Ok. Ok, ça marche. Bon, allez, la bise, Clarisse. La bise. Les burgers, ça met très très bien. Du coup, à chaque fois, je prends double, tu vois, comme ça, moi j'en ai. Attends, mais j'en ai qu'un. Ouais, c'est pas grave. Tant pis.
Et j'ai trop de flow. On va aller au taxi. Mais moi, tu me donnes ça, j'ai envie d'aller vite avec ça. Elle est énervée. En plus, moi j'aime bien Alfa Romeo. Ah ouais! Elle bombarde vraiment. A chaque fois je me trompe ici, c'est un délire. Elle va trop vite. Je l'ai un peu abîmé. J'ai donné 500. L'autre m'avait pris 200 et quelques. Enfin, j'avais payé 200. Voilà. Par contre, je sais pas pourquoi mon perso a un souci de santé là. On va le garder, TV à 10% de tout. Donc ça sera quand je serai
pour la première semaine. On va en faire plein. Je ne sais plus combien j'avais mis tout à l'heure, donc c'est pour ça. Par contre, j'ai vu qu'il m'avait mis sur la photo, il m'avait envoyé 3 véhicules, là j'ai vu 4. Ah oui, non, c'est parce qu'il y a le taxi de base, je crois aussi. Rentre d'ailleurs celui que j'ai pas touché. Oh non, mais l'Alfa Romeo c'est un monstre. Je crois que c'est celle-ci. Ce n'est pas celle-ci. Dans la logique, ça doit être celle-ci. L'Alpha, c'est le premier taxi 4. Ok. Je l'ai un peu abîmé. Oh, elle est énervée. En plus, moi j'aime bien le fin. Mais ce taxi-là, il va me servir surtout pour bah, les non-PNJ en fait. C'est stylé de ouf en vrai.
Ouais, je sais comment. Il y a quelqu'un, mais je sais pas qui c'est. MRC. Richard Lawrence. Je savais pas qu'on pouvait envoyer des trucs quand quelqu'un était en machin. Oh merde. Putain, ouais, ça faut que j'enregistre. Shooter 22, enfin 229, 229, 485, 7, 229, 80, je m'en rappelle déjà plus. Je vais le noter. Ah, j'avais juste à faire ça, putain. Je sais pas si ça crie comme ça, Clarisse. Si, c'est comme ça. Ah, donc c'est 228.
papy. Ça, je suis sûr que c'est lui directement. Dans la logique, j'aurais dû le... J'ai cru que c'était un joueur. Enfin, une chose. Dans la logique, j'aurais dû le faire payer 700 balles. Mais j'ai dit, vas-y, tu vois. Parce que lui, en fait, j'ai pas du tout reçu son... sa thune. Parce que je crois que... Je me suis trompé. J'ai fait ça. Créer une facture, job. Custom. Ouais. Bon, attendez. Il a payé, je sais pas qui. C'est pas grave. Papy, il a payé pour je sais pas qui. Papi? Papi? Ah non 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 non. Déjà. Ouais, il est en ligne. Il y a Mathieu. Mathieu, c'est le fonda. Très bon gars. Vestiaire. Coachy. On va mettre 28. Ça voilà. C'est l'investissement en gros, ce qui me disait groupe 6. Mais... Ah ouais, il y a la tempête.
T'en as 1000. Comme ça, on est à 1000. De toute façon, on va couper le live à 30, je pense, du coup. Au moment de la tempête. Ça sert à rien que j'aille chasser pour le moment. Ça, ce sera ce soir. Ah putain! J'avais zappé. Bonjour, tu cherches quelque chose? Ouais, bah en fait, j'essaye de trouver un peu de travail pour m'acheter une voiture. Ah! Bah bon courage, ouais. Mon pote. J'avoue, c'est un gros courage. Ah là, les véhicules. C'est cher, hein? C'est combien à peu près? Bah, tu je te dépose au. Au truc de véhicule? Ah bah, bon alors, allez, franchement, avec plaisir, tu vois. Vas-y, monte. Bah, je crois qu'on peut pas. Ah bah, je crois que c'est qu'une place. Bah, je suis désolé, mon pote. Ah, bah, franchement, ça c'est pas un truc à draguer. Hein. Ouais. Bah, après, je change de moto. Bah, attends, tu sais quoi? Moi, je suis un bon. Reste ici, j'arrive dans 5 minutes. Ok. En fait, je crois qu'il vient d'arriver en ville. Donc, vas-y, tu vois, moi, j'ai. Je sais comment c'est la merde. T'as pas de véhicule ou quoi, c'est un vrai bordel. En plus, ça sert à faire des rencontres aussi, donc c'est cool. Soit il cherchait un taf, j'aurais peut-être pu le recruter. Quand le taxi sera réparé en mode.
faire une vanne, je vais lui faire bah ça fera 400$. Il va faire quoi? Putain, je savais pas que c'était qu'une une seule place la bécane là. Merde, je suis à contresens. Vas-y, monte. Ah ouais, putain, t'as un taxi. T'as trouvé ça où? Des taxis? Moi, je suis taxi, moi. Ah ouais? Bah ouais. Ouais, taxi, Alfa Romeo, Alfa Romeo, ouais, franchement... Je l'ai reçu hier par le gouvernement. Par le gouvernement, carrément? Mais mec, j'ai le bras long, moi. Ah bah, je vois ça. Non, ouais, j'ai un bras très court, laisse tomber. Incroyable. Moi, je t'aurais proposé un taf, mais on a un problème avec les tablettes du taxi. Ah merde. Oui, ça va être chaud pour vous appeler en fait. Non, ça marche. Mais... ouais, c'est un peu la merde. Mais je m'en rappelle plus quand on met sa ceinture. Faut que tu portes fence à... à elle. Ah, merci. Voilà, ça sert à rien, on est arrivé. Bah oui, c'est vrai. Tu vas voir, c'est pas mal. J'avoue, ça c'est... sert pas grand chose. Hein. C'est quoi ton prénom? Moi je m'appelle Jack. Jack. Ouais. Ah ouais, t'es un pur produit américain toi. Ouais, Jack Fitcher. Ah, j'ai ouais. Des compétences. Ok, ok. Tu vois là, t'as ouais, la petite tablette. Ouais. Après, tu peux même essayer les véhicules. Tu ah peux ouais les essayer, ouais. Ouais, shooter. Tu ah peux bon, les, essayer. Les essayer. T'inquiète pas, quand tu les essayes, il y a la ville, elle est à toi en gros, tu vois. Alors, ouais. Ah bah, je crois que. Faut vraiment que je me fasse de la thune parce que putain. Avec 80 000$. Ah, mec. Ah, voilà, je sais pas si t'es au courant, mais il y a le casino en ville. C'est vrai, il est ouvert? Ouais, il est ouvert H24. Et ça veut dire que la roulette, elle est gratuite? La roulette, c'est 100 jetons. C'est équivalent à 100$. Oh bah, allez, vas-y, on y va. Bah, vas-y. Allez, bon, allez, moi je peux pas, moi faut que j'attende. T'as le droit une fois. Par, ah d'accord. Tout le... bon, allez, vas-y. Et tu t'as gagné combien l'autre fois? Eh moi laisse tomber, je me fais niquer moi au casino. C'est peut-être qu'il faut exprès pour qu'on perde. Bah ouais mec, c'est sûr. Parce que dis-toi la dernière fois, je gagne 8000 balles. Je fais lourd, tu vois. Ensuite 1000 balles. Ensuite je gagne une boisson qu'on a même pas voulu me donner au bar. Oh les bâtards. Ouais, franchement, ça se fait pas parce que tu vois, déjà tu sues parce que tu dis putain, je vais gagner et tu transpires et voilà. Il y en a une au Blackjack, hein. Elle est tout le temps là-bas au Blackjack. C'est une dame qui travaille là-bas. Un jour, elle, quand elle va sortir, je vais la choper. Hein. J'ai des 20, elle me sort des 21. Ah putain, elle fait exprès, toi, je suis sûr, elle t'aime pas. Elle dit ouais, mon ex-mari, il était chauffeur de taxi. Ça se trouve. Hein. Oh putain, ici à Ferbelec, il y a un radar, je me suis fait niquer tout à l'heure. C'est vrai? Ouais, j'ai pris 200 balles d'amende. Bah, merci, comme ça je le saurai. Hein. Ouais, y'en a plein. 200$? Ouais. Ça dépend de la vitesse où tu roules. Hein. Tu vas pas me croire, mais au permis, j'ai été flashé quand j'ai passé mon permis. Mais tu l'as pas. Donc, dans la logique, c'est l'auto-école qui t'a payé. Bah non, c'est moi qui l'ai payé. Ah ouais. Ouais, c'est une mauvaise auto-école. Hein. Ah ouais. C'est... En fait, moi c'est Yuri, moi. Yuri, bah enchanté Yuri. Ouais, carré. Là, toi, je suis en train de monter ma boîte de détective privé. Ah, c'est toi? Bah oui. Ah, j'ai vu, ouais, sur Twittos. Ah ouais? C'est des enquêtes bizarres et tout, faut m'appeler. Genre, quand tu dis bizarre, c'est tout ce qui est paranormal, tout ça. Ouais, tout ça, et puis bah des aussi
soit des gens ils disent putain mon chien il est bizarre, il remue trop la queue, et puis ben moi je suis là, je pourrais expliquer. Ah ouais. Bah oui. Moi j'y crois pas. Je vais raconter une histoire, tu vois. C'est ouf. J'étais dans un autre continent, il y avait une femme, elle avait un bleu, plus un peu sur l'œil droit, tu vois. Elle disait que c'était son homme qui l'a frappé. Ah ouais? Ouais, et en fin de compte, ben moi j'ai enquêté, ben en fait son homme il est tout doux, il frappe jamais personne. Et en fait c'était son chien, le soir, il montait sur le lit, il faisait des bifles. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle a largué son mec pour son chien. Parce qu'il avait une grosse queue. Ah! Bon, on rentre dans le casino? Ouais. Il faut que je lui dise que j'ai une dashcam. Je lui dis ouais. Il y a un monsieur, il m'a ouvert la porte. Oula. Oula. Ouais, c'est Francis. Ah, ok. Enfin, moi je l'appelle Francis. Et Francis. Mais il est pas très causant. Ah ouais. Heureusement que c'est pas Francis Ngannou, parce que là. On nous aurait mis des patates. Par contre, on aurait pris. Faut que tu prennes des jetons, mec. D'accord. T'as du cash sur toi? Ouais. C'est pas assez bon, là. Ouais, donne-lui des jetons, dépêche-toi. Tu m'as dit 100, c'est ça? Ouais, c'est 100. Okay. Oh putain. Allez, let's go. Si t'as la voiture, tu gagnes la McLaren, frère. Ah ouais? Salut. Ouais, la McLaren, elle est terrible. Ah ouais? Moi j'aime pas McLaren. Ah, moi j'ai les deux. Moi j'aime bien les Twingo. La McLaren rien du tout. Oh putain, non. Bah 5500, c'est déjà pas mal. 5500, c'est bien, moi j'ai gagné 1000 hier. C'est vrai? Ouais. Mais oui, c'est très bien. Et la dernière fois, je t'ai dit, j'ai reçu une boisson. Et au bar, ils m'ont refusé de me donner ma boisson que j'ai gagnée. C'est pas possible. Ah ouais? Ouais, j'ai dû leur parler russe. Hein. Non. Ah bah si. Et c'est une fois par jour, ça? Ouais, c'est le casino, en gros ils disent t'es limité à une fois, tu vois. Ah ouais. J'ai besoin de 100 jetons pour refaire. Ah, j'ai le droit de... Je peux refaire? Vous êtes nous? Non, c'est chaque 24 heures. Ouais, voilà. Non, moi je suis arrivé il y a à peu près une semaine et demie, moi. Ok. Et puis vous, monsieur? Bah moi, depuis hier. Ok, ça marche. C'est quoi le clip, Shooter? Bah je m'appelle Tommy White. Tommy White! Bon, enchanté. Tu connais ton frère? Ouais, Johnny? Oui! C'est pas très bon si tu le connais. Ah bah, oui, je sais, il m'a dit qu'il... Ouais, voilà. Mais en fait, ça chic bien, enfin, ça mec bien. C'est un chic bien. On peut tout être bien. Il a dit, c'est un chic bien. Fait ce qu'il veut, mais au moins, il réussit sa vie. Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô. Non mais what, la McLaren elle est énorme. Tu sais qu'il y en a un qui a gagné la Bugatti. Ah, c'est une fois en fait. Toutes les 24 heures tu peux retirer la roue. D'accord. Ouais, mais on va dire la voiture après quand elle est gagnée. Ah ouais, après elle disparaît. Ouais. Et après ça, on met une autre. Après la tempête, gouvernement. Ah ouais. Y a pas de souci. Alors on se voit après la tempête. Ah ouais, y a la tempête bientôt. À tout à l'heure. C'est qui est taxi ici? C'est vous? C'est moi. Ok, parfait. C'est le beau gosse qui est là. J'ai vu qu'il y avait un taxi devant. Écoutez, y a bientôt la tempête qui va y aller. Mais si vous voulez, on peut échanger nos numéros. Ouais. Bah vas-y. Hein. Alors, Johnny White. Alors attendez, je vais faire ça tout simplement. C'est quoi votre numéro fétiche? Alors moi, mon numéro fétiche, c'est le 27. Ok, hop. Alors et attendez, il y a un truc qui est sympa. C'est que je crois qu'on peut... 33. Voilà. Ah, ouais, voilà. Tu peux envoyer directement, si tu vas sur ton contact, à côté de ton nom, t'as, voilà. Ouais, moi j'ai envoyé aux deux. Parfait. Ok, alors, j'ai contact. Ah toi, tu m'as pas payé pour les courses, là. Tu m'as jamais dit de payer. Ouais, non, c'était une bonne. Au pire, dis-moi, puis je te paierai moi. Ah bah là, attends. Parce que là, moi, je suis un peu perdu, là, de Quoi, t'as besoin d'aller quelque part?
Non, non, mais c'était pour la course de monsieur. Ah non, mais je déconne, c'est une vanne, c'est moi, okay. Je l'ai proposé. Parfait. Qui vient d'arriver, t'as vu, c'est la galère quand t'arrives. Alors, ouais, moi, c'est pour mon numéro. Mon numéro, c'est 83 75. Non, mais attends, fais plus simple, fais plus simple. Là, t'es sur tes contacts. Ah, mais j'ai encore plus simple, mon numéro, il est sur Twitter. Ah, vous t'as le seum. C'est cool, bien. C'est coup dur, hein, pas cher, c'est coup dur. C'est très coup dur, ça. C'est pas grave, c'est pour faire balance avec les 25 000 que j'ai gagné hier. Ah ah, escroc. Exactement. Bah, bien joué. Voilà. Parfait. Jack Reacher. C'était lui ton ref? Hein? C'était lui ton ref là-bas, là? Le ref? Le monsieur là-bas, là, qui parle. Bon les gars, moi il faut que avant la tempête, faut que j'aille ranger mes véhicules. Et la tempête, ça elle marche. Dure combien de temps? Elle dure jamais très longtemps, à partir de 5h 2h33, tu pourras gentiment revenir. Ah du coup, attends, 5h? Oui, parce que la tempête, elle commence à 5h30. Oui, mais non, c'est ça le truc. Mmh. Ah, la tempête, elle dure à peu près une minute en soi. Ah oui, c'est un redémarrage. Ah oui. Ouais, ouais. Redémarrage de tempête. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais tu veux que je te dépose quelque part le temps que monsieur aille déposer ses véhicules? Bah ouais, 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 ouais. Bon, allez, on bah ouais, passe. Parce que il faut que je me fasse un peu d'argent pour acheter une bagnole. Peut-être que je pourrais. C'est pour ça après la tempête. Ah, il est où mon taxi? On m'a pété à mon taxi! Son taxi! Bon, tant pis, allez, salut les beaux gosses! Salut! Ah, on m'a pété à mon taxi! Allez, bâtard! Je suis sûr que c'est l'autre là, qui était roux là, les cheveux oranges là. Il a dû me péter à mon taxi, le salaud! Ça va, heureusement que c'est à côté. Hein. Ouais, shooter, rends-moi le taxi. Bah non, ça me dit qu'il est encore là. J'en ai bien 4. Ouais. Bon, je sais pas. Bon, du coup, on va aller ranger la bécane. Wesh, mais c'est un délire! Me suis fait péter ma bécane et mon taxi. Bon, au moins on a chopé des numéros, ça c'est bien. Bien vu, shooter pour les clips. Hey, loser! Get in bed! C'est un délire, mon gars. Il a réussi à mettre une photo, lui. Comment il l'a fait? Ah, d'accord.
Bon, du coup, qui est la tempête? Hop. Bon, du coup, je déco, j'arrête là. Des bises. Et je reviendrai ce soir.